Non, c'est ça, je me casse le cul pour toi là. Oui, c'est vrai. Merci, Mimou. Oh, c'est ça. Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Bah rien, tu pousses pas. Aïe, aïe, aïe. Trop chou, bah. Ah, oh, putain, mon oreille. Ah, oh, c'est horrible. Mais heureusement qu'il est trop chou avec moi, il manquerait plus de ça. Non, n'arrête, pas dans l'oreille, ça fait extrêmement mal. Tu m'étrangles. Aïe, aïe. Oh là, c'est... Tu vois pas, tu m'as écrasé mon oeil, là. Parle le français, on verra après. Attendez, j'ai l'assistante sociale, moi. C'est pas drôle, arrête. Je vois plus maintenant, tu soulèves ton bébé comme si c'était un trophée. Tu t'es cogné la tête, là. Arrête, Maëlle. Il y en a qui vont me prendre mal, alors que c'est drôle. Mais non, mais il y a toujours des personnes... Arrête, arrête, goulou, 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 toute la journée, pas le français. Tu m'as mis le tilo dans l'œil. Déjà, j'ai les gros yeux, tu veux que mon œil tombe. Ça va pas la tête, hein? Non, mais mal à l'œil. Rémi. J'ai déjà des grands yeux, tu veux que mes yeux ils tombent? Arrête Maël, stop! Oh mais. Toute la journée, goulou goulou goulou! Arrête! Je le connais en plus. Tu connais aussi? Oui. Arrête, non. Goulou goulou goulou! C'est maman. Pas drôle! Maman. Pourquoi rien fait tes devoirs? Ah. Bon, oh, cochonne! Cool. Mais ce qui va demain? Et là je fais pouf dans sa couille. Oh, putain, il a tué. Ah. Oh, coucou maman. Y'a maman. Tu sais ce que je suis en train de faire, maman? Je suis en train de faire les devoirs de Maëlle. Non, alors t'as fait quoi avec le filtre beauté là? Rien, tu touches à ton cul. J'ai mes yeux, ils sont en amande, on dirait. Je... Bah non. Non, peut-être pas en fait. Oui, elle fait mes devoirs parce qu'elle avait envie de faire ses devoirs. Elle avait envie de faire. Regarde tout ce que j'ai écrit, maman. Elle avait envie de faire. Même moi, je faisais pas mes devoirs avant. Non, j'en sais rien du tout. Mais oui. Je suis fière de toi, Mimi. Bah bravo, Kemdi. C'est grâce à toi aussi. Ah bah moi, oui. Pour l'isolement, j'ai dit, du fait de rester isolée en permanence, la personne perd tout le contact humain jusqu'à, par exemple, ne plus manger avec sa famille pour rester connectée. Tout contact avec l'humain est perdu. Souvent, les personnes accro aux jeux vidéo restent connectées même à l'extérieur. Mais elle s'en fout de ce que je raconte.